Salut tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va tester des têtes sur un flow bench que j'ai fabriqué moi-même. C'est des têtes pour mon moteur que je vais courser cette année. C'est des têtes que j'ai portées moi-même. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va tester des têtes stock, voir qu'est-ce qu'on a comme baseline, comme données de base. Et puis ensuite, on va tester la tête que j'ai modifiée pour voir quel genre d'amélioration que j'ai eu. Donc ici, on a une tête stock qui va sur mon moteur, un 4.6 3 valves, un moteur Ford, qui va dans un Mustang 2005. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai fabriqué des plates pour ouvrir mes valves. Évidemment, j'ai mis des springs, des check springs. C'est-à-dire que c'est des springs qui n'ont pas beaucoup de tension, pour juste assez pour tenir la valve fermée, puis garder une tension. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ouvrir les valves selon les specs que j'ai de mon cam. C'est-à-dire que, comme vous pouvez voir ici, mon lift est de 450 millièmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les valves jusqu'à 450 millièmes avec l'indicateur à cadran que j'ai ici. On va se mettre à zéro et ensuite les ouvrir jusqu'à 450 millièmes. Puis, on va descendre par coup de 50 millièmes jusqu'à 50 millièmes d'ouverture, pour voir quel genre de flow que j'ai sur mon manomètre ici, qui marche par colonne d'eau. C'est un système qui est vraiment simple. Évidemment, je n'aurai pas les CFM, mais je vais savoir qu'est-ce que j'ai comme amélioration versus ma tête ici, que j'ai portée moi-même. Vous voyez ici, j'ai les exhausts qui ont été oversizés. Là, je vais vous montrer l'autre côté. J'ai tourné la tête. Là, vous voyez ici les portes d'intake qui ont été oversizées. On voit bien ici avec la lumière. Là. Et ensuite, j'ai aussi fait un petit peu de ménage du côté des chambres. On le verra peut-être pas bien ici. Là. J'ai déchroddé les valves, c'est-à-dire que j'ai dégagé le contour des valves. Il y a une formule exprès pour ça, pour savoir quel diamètre, mais quoi enlever autour des valves pour qu'elles soient 100% efficaces. Vous voyez, j'ai nettoyé ça ici. J'ai ouvert les portes. On peut voir la différence, là, spécialement ici du côté de l'intake, là. Donc c'est ça, à partir de là, on va pouvoir faire une baseline, puis ensuite de ça, comparer nos données. D'abord, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre indicateur à zéro. On va aller toucher juste le bout de la valve ici. Quand je vais commencer à sentir une petite pression, comme là, là, je suis à mon zéro. Donc, on va pouvoir mettre notre cadran ici à zéro. Comme ça. On va faire la même chose avec la valve de l'autre côté, la deuxième valve. J'ai déjà accoté ma vis sur le dessus de ma valve. Je vais mettre mon cadran à zéro. Et voilà. Reste plus qu'à ouvrir. Je veux faire un test. Je veux ouvrir jusqu'à 450 millièmes, mais je vais l'ouvrir jusqu'à 500 millièmes. Je vais voir si il y a un gain potentiel à aller chercher avec plus de lift sur le cam. Donc, mes valves sont ouvertes de 500 millièmes. Il nous reste juste à prendre notre donnée ici de départ. Je suis à 7 pouces de colonne d'eau sur ma règle. Donc, il ne reste plus qu'à partir de la balayeuse. On est branché sur une chop vac. Par en dessous ici. Ma tête est boltée. J'ai une plate de Lexan ici que j'ai tradé. J'ai un gasket aussi pour rendre ça étanche que j'ai fabriqué. Donc, il nous reste juste à partir de la balayeuse puis prendre notre première donnée. J'étais à 500 millièmes. Pour ça.
Donc, on avait exactement 10 pouces de colonne d'eau. Donc, à 500 millièmes, je tire 3 pouces de colonne d'eau. Donc, on va l'écrire ici. Mon départ, vous voyez, je l'avais déjà noté, j'étais à 7 pouces de colonne d'eau. Donc, j'ai pris ça en stock, en note, valve opening, stock head, à 0.500. J'ai exactement 3 pouces de colonne d'eau. Donc, il nous reste à faire chaque point. Je vais faire la même chose en descendant de 50 millièmes jusqu'à mon 50 millièmes d'ouverture. Et on va pouvoir faire la comparaison ensuite avec la tête modifiée. Donc, on a fini de ramasser nos données. Ça, c'est les résultats qu'on a eus. Donc, je l'ai fait le test. J'ai ouvert mes valves à 500 millièmes. De ce que je peux comprendre, de ce que je peux voir, on a plus de restrictions à 500 millièmes qu'à 450. Donc, sur une tête stock, on peut voir que ça ne donne pas grand-chose d'ouvrir à 500 millièmes. On se ramasse avec la même restriction qu'à 400 millièmes. De ce que je comprends, il n'y a aucun avantage à ouvrir à 500. Donc, tu vois, j'ai 2,75 pouces de colonne d'eau à 450. Et puis, tranquillement, comme ça devrait l'être, on augmente jusqu'à 16 pouces de colonne d'eau à 50 millièmes. Ça fait beaucoup de sens. Ce que j'aime pas, c'est qu'à 500 millièmes, réellement, on tombe avec une plus grande restriction qu'à 450. Donc, aucun avantage. Donc là, on a nos chiffres, on a nos données de base. On va pouvoir tester la tête qui est modifiée. Ici. Et voir quelle différence on a sur nos colonnes d'eau. Et puis, avec une petite formule très, très simple, on va pouvoir voir quel pourcentage d'amélioration que j'ai eu sur chaque porte. Maintenant que nos tests sont toutes faites, on peut échanger les têtes, prendre la tête modifiée, la mettre à la place de la tête stock, puis voir quel genre de résultat qu'on a. On fait ça. Donc là, on est installé avec la tête modifiée, la tête qui a été portée. Nos valves sont ouvertes à 500 millièmes, le setup est prêt. Donc, je vais prendre mes mesures de la même façon que j'ai fait tantôt. Donc, je ne vais pas filmer tout ça encore une deuxième fois. Fait que je vous reviens avec les résultats finaux. Donc, on vient de tester la tête que j'ai travaillée dessus. Mauvaise nouvelle, pour l'instant, on n'a aucune amélioration côté flow. S'il y a de quoi même, on a perdu un petit peu. Je m'étais fait dire que les têtes de 3 valves étaient des têtes qui étaient déjà très performantes, qui étaient bonnes jusqu'à 650 forces. J'avais une tête comme celle-là ici qui traînait en spare. Je me suis dit, je vais essayer des choses. J'ai été quand même conservateur sur l'ouverture des portes. J'ai respecté la géométrie quand même beaucoup.
Bon, c'est pas les résultats escomptés. Un petit peu décevant. Mais bon, là, ça rouvre une porte dans le sens que je vais y aller plus agressif. Je vais essayer des choses, on va faire des tests. Chaque porte va avoir une géométrie différente. On va essayer des choses. On va mettre des valves plus grosses, des sièges pour adapter les plus grosses valves. Donc, on va faire des tests. On va s'amuser avec ça. On va voir jusqu'à où je peux me rendre. Est-ce que je vais... On va trouver les limites. On va se débrouiller. On va trouver quelque chose. Donc, ici, on voit les résultats. On peut comparer, là. S'il y a quelque chose, même il y a des places que c'est quand même assez surprenant là, à quel point j'ai pu perdre. Là, moi, ce que je crois, c'est que, en fin de compte, j'ai créé des turbulences. Je crois que les ports d'intake d'origine flottent très bien. Ce que je crois, c'est réellement que j'ai créé des turbulences. Il y a une place où est-ce que j'ai gagné, c'est autour du, ici, à 100 millième de lift. J'ai gagné un petit peu, mais pour le reste, j'ai perdu. Bon, on va essayer d'autres choses, on va s'amuser avec ça. On va recommencer à travailler le porting un petit peu. On va voir qu'est-ce que ça donne. Pour l'instant, donc, j'ai aucune raison de mettre ces têtes-là sur l'auto, sur le moteur. On va garder les têtes stock. Pour l'instant, c'est ce que j'ai de mieux à faire. Donc, prochaine vidéo, on va recommencer à porter ça un petit peu. On va travailler les ports. On va aller plus agressif, faire des tests. À chaque chose qu'on va tester, à chaque chose qu'on va modifier, on va le tester. Puis on va faire le suivi là-dessus. À la prochaine!